mission de notre service est de développer des produits alliant parfaitement qualité et efficacité dans le cadre de notre philosophie de marque, respect de la nature et de nos animaux de compagnie. Dans ce laboratoire, nous formulons des produits utilisant des ingrédients issus de l'agriculture biologique, des extraits de plantes naturelles, sans parabènes et sans phénoxyéthanol. Nous utilisons des tensioactifs très doux et autorisés par EcoCert. Nous ajustons nos formules à un pH neutre pour respecter l'équilibre de la peau de l'animal. Les parfums utilisés sont naturels et doux et dosés de manière très légère pour ne pas déranger l'odorat sensible de l'animal. L'animal de compagnie reste toujours au centre de notre approche recherche et développement. Plus qu'un shampoing ou simple produit de toilette, nous essayons à travers nos innovations de traiter des problèmes souvent négligés, mais qui à long terme ont des conséquences sur la peau et le pelage de l'animal. Par exemple, prenons l'impact du climat sur la peau de certaines races. Nous sommes la première marque à étudier ce problème et à le prendre en compte dans nos formulations. Certains animaux de compagnie ont des peaux très fragiles et supportent mal les climats dont ils ne sont pas originaires. C'est une vraie problématique, car la peau d'un husky en Espagne ne réagit pas de la même manière que dans son climat nordique. Il en est de même pour un lévrier à poil ras en Finlande par exemple. À partir de ces constats, la recherche d'actifs et d'ingrédients bio et naturels s'effectue toujours dans un souci d'apporter une valeur ajoutée à nos produits, permettant ainsi de répondre au mieux aux besoins du pelage et au bien-être de l'animal. Autre originalité de notre service R&D, c'est la mise en place d'un panel de toiletteurs, éleveurs et propriétaires d'animaux de compagnie, en France, mais également à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. À travers les enquêtes réalisées auprès de ce panel, nous avons pu identifier et comprendre leurs besoins et attentes en termes d'hygiène et de soins pour y apporter les réponses adéquates. Nous, on a été bien contents parce que c'est bien la première fois qu'on est concerné par l'élaboration d'un produit. Surtout que c'est vrai qu'il y a des choses, nous, en tant que praticiens, il y a peut-être des choses à rectifier. Et donc, du coup, là, vous avez vraiment été à l'écoute des professionnels sur des produits déjà très performants et on salue l'initiative. Pour laver la tête du chien, ce que l'on peut faire, c'est prendre un petit peu de shampoing dans sa main. Vous démarrez par le haut. On fait bien les extrémités, c'est ce qui est le plus sale. Et on termine en faisant un petit massage pour assurer le chien. Tout va bien et on peut rincer. Je vais prendre cette pipette pour traiter contre les puces et les tiques. Donc je vais le mettre derrière le cou et je vais vider la petite pipette tout au long de son dos pour qu'il soit protégé des puces et des parasites pendant un mois à renouveler tous les mois.